Sénatrice Bellemare. Oui, merci, Madame la Présidente. Bienvenue d'être chez nous aujourd'hui. On était chez vous hier et aujourd'hui, c'est ici. En lien avec les délais qui sont demandés dans C-39, qu'est-ce que votre gouvernement va faire pour soulager les souffrances des personnes qui souffrent beaucoup de maladies mentales entre-temps? Notamment, allez-vous accepter davantage d'exemptions au titre de l'article 56 et prévoir un accès réel aux thérapies assistées par la MDMA et la psilocybidémie? Monsieur le ministre. Merci pour la question. Encore une fois, je suis de tout cœur avec les personnes qui souffrent et qui attendaient le 17 mars 2023. J'envoie mes sympathies les plus profondes dans cette situation. Pour être honnête, nous n'avons pas envisagé des mesures temporaires. Ce n'est qu'un an. Je sais que c'est un an où la personne va continuer à souffrir. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui me préoccupe. Mais je crois qu'on doit aller avec une certitude qu'on va le changer, que la loi va voir sa mise en œuvre dans un an. Et pendant ce temps, on doit se concentrer sur vraiment la mise en œuvre de la loi. Sénatrice Bellemare. C'est tout. Merci.